Deux petits points, M. le maire. Le premier, juste de dire aux citoyens que, comme l'année dernière, la Ville, avec en collaboration avec le service de police, offre un service de déchiquetage. Ça va se passer. L'activité va avoir lieu le 7 novembre prochain, c'est un samedi, entre 9h à midi, sur le site de l'entreprise locale qui s'appelle Bye Bye Paperasse, située au 765 rue Rossiter. Les citoyens sont invités à apporter un maximum de 2 boîtes de 1 pied cube de documents confidentiels qu'ils désirent faire déchiqueter. Une preuve de résidence devra être présentée pour pouvoir accès au service de déchiquetage. Le deuxième point, ma consœur a parlé de corridor scolaire. Je l'annonce que dans le secteur de l'école Saint-Lucien, Bruno Choquette et Joséphine Dandurand, dans les jours qui s'en viennent, il va y avoir on va établir des corridors scolaires avec de l'affichage aérien et aussi du marquage sur les rues et sur les trottoirs, de façon à ce que les enfants puissent aller sécuritairement à l'école. Donc, c'est un projet pilote. Un deuxième va être fait aussi à l'école, près de l'école polyvalente Armand-Rasco. Et après ça, on veut aller dans tous les secteurs où il y a des écoles pour faire des systèmes similaires. Donc, c'est tout pour moi, M. le maire.